Bonjour, monsieur le promoteur. Concernant le rachat du parc, je vous donnerai $1,000. Écoutez, je vous paierai à la fin de mon séjour. Pas de soucis. Hep, vous allez pas me piquer mon parc? Vous connaissez son histoire au moins? Je crois pas. À votre place, je ne resterai pas là. Mais tu vas me laisser dormir, connard! Jamais dû venir ici. Vous n'aurez jamais la propriété de ce parc. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Toi? Pas que moi. La famille Ravensou. Écoute, il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, là-bas, dans le petit manoir à côté. Là où la famille Ravenswood résidait, il y a eu un drame. Le père creusa là où il ne devait pas creuser. Et il déclencha la fureur de l'oiseau de feu. Un peu salé, hein. Oiseau du tonnerre. Qui jeta une malédiction sur la famille. Seule la fille survécut. Et elle séquestra ses domestiques. 99 domestiques. Super, merci pour cette histoire passionnante. Attendez, attendez! Je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. But. Fait peur, hein? Ça fait peur. Attention! Deux! Achète le parc immédiatement ou je pars d'ici. La plaisanterie a assez duré. Et sortez l'acte de propriété. Mais nous ne l'avons pas. Comment ça? Vous voulez me vendre le parc et vous n'avez pas l'acte de propriété? Il n'y a que toi qui sais où se trouve ce document, David. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Calme-toi. Rassis-toi. Je vais tout t'expliquer. De quoi vous parlez? Tu ne te souviens peut-être pas des Ravenswood, de ton passé? On a pourtant tout essayé pour te faire retrouver la mémoire, mais il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez drogué. Ne raconte pas de bêtises. On ne serait pas allé jusque-là. Tout ce que tu as vécu dans ce parc n'était qu'une mise en scène. Je jouais un rôle. Tout était faux. On a essayé de te faire retrouver la mémoire, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Tu es le seul qui sait où se trouve le document qui donne droit à toute la propriété. Ben, c'est pas possible. Je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous jure que je vais me casser d'ici.
Tu es le dernier et le seul survivant de la famille Ravenswood. Il y a des années, tous les domestiques allaient te tuer. Et il y a des médecins, ils ont essayé de te sauver. On sait qu'ils ont tout fait pour te protéger, pour cacher l'acte de propriété. Mais tu as des troubles de mémoire immédiate. On a tenté plein de trucs, mais il n'y avait rien à faire. Il reste qu'une seule solution proposée par des médecins allemands. Je voulais pas en venir là, mais on est obligé. Je suis vraiment désolé. Non. Non, vous. Vous me racontez des histoires. Tout cela est faux. Écoute, pour conserver l'acte de propriété, on va devoir t'ouvrir le crâne et te laisser t'échapper. Comme ça, partout où tu iras, il ira avec toi. Et quand tu mourras, il disparaîtra lui aussi. Est-ce que t'es d'accord ? Bonjour, David. Voilà, c'est par ici. Aujourd'hui, nous allons t'ouvrir le cerveau afin d'y poser quelques petites électrodes et de voir où est caché l'acte de propriété. Allez, c'est parti, ça va être indolore. Ferme les yeux tous un coup et on y va.